allez travailler aujourd'hui un très grand classique du picking, peut-être le morceau emblématique du picking puisqu'il a été repris par tous les spécialistes du genre. Dans cette vidéo, on va travailler la version de Marcel Dadi. Je vous ai fait la transcription fidèle de la version studio. Maintenant, on va bien entendu évoquer celle de Merle Travis qui est la version originale et puis je vais vous parler aussi de la manière dont le joue Tommy Emmanuel. Les accords sont introduits de manière très très sympa avec cette petite phrase en solo. Donc vous allez utiliser l'onglet pour attaquer les notes. Mais comme c'est assez lent, enfin c'est pas qu'il y a énormément de notes, vous allez pouvoir le jouer. Ça se base sur la gamme de Do majeur, mais on a une petite note passante avec un Mi bémol. Et ça va être que de l'accroche. Donc avec l'index, un petit slide façon appoggiature vers la troisième. Et de l'accroche, mais de l'accroche swingée. Ensuite, le doigt du milieu. Et donc ça va être la quatrième case, ce Mi bémol, un petit peu dissonant. L'accord David va vous permettre de revenir à la première case. Deuxième case, très facile. David, le sol. Trois fois. Un, deux, avec les doigts 1 et 2 sur la corde de Ré. Donc très, très facile. Est-ce qu'on doit faire de l'aller-retour ou de l'aller simple? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Il n'y a absolument aucun inconvénient. Rien n'est imposé ici. On termine sur la troisième case. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça couvre le Do majeur. Alors, on va le jouer comme ça, hein, le Do, Bas, Sol. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous devez être habitué à le jouer comme ça. Donc le Sol, vous allez le plaquer de manière assez brutale. Et ensuite, les notes lead, là, vous allez étouffer légèrement avec la paume de la main. Donc, tout ce morceau, ça va être un savant mélange, un savant dosage de ces palm mutings pour avoir ce son un petit peu rond et percussif du picking que l'on adore, donc ces basses alternées. Et on en voit le début avec cette petite introduction 3, 0, 2. Donc sol, la, si, do. C'est vraiment une manière très très classique de démarrer un morceau. A vous de voir si vous voulez placer le doigt numéro 3 en demi-barré ou vous n'allez pas pouvoir faire un do, bas, sol parce que vous avez besoin du petit doigt à la troisième case. Donc soit vous me suivez et vous alternez. Donc on a noir, croche et croche et croche et. Donc le doigt numéro 2, en fait, il va se baisser avant que vous placiez le pouce. Ça va être pratiquement simultané quand vous jouez rapidement. Mais techniquement, donc cette deuxième case qui sonne dissonante sur un Do, c'est simplement le Fa qui est amené un petit peu en avance. Do, ensuite le Sol Mi. Et ça, vous allez utiliser l'index sur la corde de Si, donc majeur index. Ensuite, la basse change. Troisième case. Vous raccrochez la troisième case. Donc, vraiment, les extrémités du manche. La basse est frappée. Alors, quand je dis frappée, parce que, en fait, dans le style Merle Travis, vous allez frapper comme ceci, façon feu de camp. Et vous voyez qu'en fait, on joue des accords, on ne joue pas des notes. Alors que le style Dadi, c'est plus vraiment chaque corde séparée. Le pouce, alors il faut bien pincer la première case à la première corde. Et le petit bend, mais c'est un quart de ton, hein, donc ça va être pris avec le petit doigt. Mais vous formez toujours votre Fa majeur. Et immédiatement, donc, vous allez la troisième case. Vous levez le doigt première. Alors ça va peut-être buzzer un petit peu, ça va dépendre de votre guitare, mais c'est pas grave. Quand vous jouez rapidement, voilà, ça fait partie du style. Et vous allez relâcher, c'est pour la corde de sol. Et ça, ça va vous permettre en fait de replacer votre main. Donc pour le deuxième do, qui est approximativement identique au premier, mais on va avoir une petite différence, c'est qu'à la fin, vous allez avoir le quatrième temps, vous allez pouvoir vous reposer. 1, 2, et 3, et 4.
Donc, le 2 et le 4, c'est vraiment les moments qui vont être un petit peu plus frappés au niveau de l'onglet. La difficulté principale de ce motif en Do majeur, eh bien, c'est que vous allez avoir à choisir entre soit alterner la basse avec le doigt numéro 3, soit avoir le doigt numéro 3 posé sur la frette numéro 3, mais sur deux cordes, sur la corde 6 et sur la corde 5, c'est-à-dire la corde de La et la corde de Mi. Oui, vous avez bien entendu. Donc en fait, c'est l'annulaire qui va faire un espèce de demi-barré ou qui va, avec le bout du doigt, accrocher ces deux cordes. Ça va vous permettre de faire un Do basse sol. Je n'arrive pas à le faire de cette manière-là. Je préfère 100 fois en fait alterner ma basse comme ceci, avec le doigt numéro 3 qui va bouger d'une corde à une autre. Évidemment, Merle Travis le joue de cette manière, Tommy Emmanuel le joue de cette manière, Marcel Dadi le joue également de cette manière, avec le doigt qui est figé, et ça permet en fait d'avoir le petit doigt complètement libre. Eux, ils ont appris certainement de cette manière-là, mais avec un manche de guitare acoustique un petit peu large. Pour ma part, ça passe pas. Si vous y arrivez, eh bien bravo, parce que c'est en fait de cette manière-là que vous rendez le meilleur hommage à Merle Travis. Je ne vais pas vous mettre de pression, hein. Vous le jouez de la manière dont vous voulez. Il utilisait donc le pouce et l'onglet, et puis également ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il laissait les doigts appuyés contre le corps de sa guitare. Ça lui donnait un appui qui était, j'imagine, appréciable. Il utilisait surtout l'index. Ça arrivait qu'il utilisait d'autres doigts de la main côté chevalet, mais c'était surtout avec son index. Et donc, le style de Tommy Emmanuel reprend beaucoup dans l'esprit de Merle Travis, qu'il avait cet accompagnement où on avait l'impression qu'il faisait un espèce d'accompagnement qu'il ferait de la même manière avec un médiator. Donc il reprenait un petit peu cet esprit-là d'accompagnement feu de camp, si vous me permettez. Mais lui, ça venait pas autant du poignet que Tommy Emmanuel. C'était surtout son pouce, en fait. Donc il avait un pouce très dynamique, à la différence de Marcel Dadi, qui avait un pouce hyper précis. Donc c'était vraiment cette précision chirurgicale de Marcel Dadi, où on n'entend absolument pas une autre corde résonner que celle qui avait l'intention d'être jouée. Le ré septième, le pouce, il est toujours au-dessus, hein, donc... Vous allez me dire, est-ce que je peux le jouer comme ça? Ça, certainement, vous pouvez le faire, mais le problème, c'est que je n'ai pas appris à le jouer comme ça et je ne pouvais pas pouvoir vous apprendre à enchaîner tout de manière fluide avec une façon jazzy qui serait tout à fait convenable, et je pense que vous pouvez réussir. Maintenant, voilà, on va essayer de se rapprocher du style picking. Alors, le ré, il va être difficile à faire sonner, mais formez bien ce ré septième. Donc si vous accrochez deux cordes, c'est pas un souci. Ensuite, le doigt numéro 3, cette fois-ci, c'est bien le doigt numéro 3. Le Do revient, donc la première case, parce qu'ensuite on revient sur le Do. On arrive ensuite à la mesure 12 avec cette petite interlude, ce petit phrasé très dynamique où on va pincer la note Do, basse et octave, avec un petit slide. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le charme et ce que j'aime particulièrement dans le style picking. C'est cette espèce d'humour, en fait, parce que c'est une phrase pleine de... c'est en Do majeur, donc évidemment, ça a une sonorité assez joyeuse. 3, 1. Le slide, vous levez la main. Alors, il est plus fun, en fait, si vous faites un long slide. Il va falloir vous arrêter, hein, sinon vous allez chercher un peu. Ensuite, troisième, vous mettez bien votre accent. La petite note mi bémol dissonante. À vide, double note. Donc je les pince avec le doigt du milieu et le pouce. Et le rappel de basse du sol pour revenir en Do majeur. Ensuite arrive la deuxième interlude, et celle-là, en fait, c'est un petit peu l'opposé de la première interlude, c'est-à-dire qu'on va avoir des notes de basse au lieu d'avoir des notes hautes. Donc c'est un petit peu la réponse à la première phrase. 1, 3, 0, 3, avec l'index, s'il vous plaît. À la Dadi. Donc le pull-off sur 4 notes. Donc vous attaquez bien.
Vous serrez bien avec l'index à la troisième case parce que c'est un mini capot d'astre en fait cet index. Si vous serrez pas, ça va pas fonctionner. Le triolet, 6, 5, 3, pull off 0 et 3, 3. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. On va avancer à la mesure 22 où on a ce passage qui est un petit peu surprenant avec ce slide. Alors c'est pas difficile à jouer, c'est un Do qui est amené de manière chromatique sur la première note. Et vous allez avoir à faire un demi-barré. Donc là, pour ma part, je suis vraiment obligé d'utiliser évidemment deux doigts plus le pouce. Vous allez simplement faire un demi-barré et déplacer quatrième, pouce, slide, index, majeur. Et le timing de cette phrase, il est un petit peu inattendu, donc ça va vous prendre un certain temps en fait à vous caler. Cette fois-ci, c'est un mouvement assez libre, hein. Vous n'avez pas besoin de compter des triolets ou des doubles croches associés à des croches. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Et ensuite, vous revenez en fait sur le temps, vous devez être sur le temps simplement pour la mesure suivante. Donc ça doit finir par 5, 3, 3. Et ensuite, on repart avec ce rappel de la note sol. Pour les tipeurs et les membres de la chaîne Roue Guitare, eh bien, je vous ai fait la transcription fidèle de la version studio de Marcel Dadi. Alors, j'y ai passé le temps, il y a 9 pages, mais il y a absolument toutes les notes. J'ai tout réécouté 50 fois en ralentissant tout, donc vous avez les notes. Et si vous voulez l'apprendre, eh bien, félicitations. Le style de Tommy Emmanuel, c'est un style tout en puissance. Et c'est vraiment ça, à mon sens, qui caractérise sa manière et son approche du picking à la guitare. Donc c'est tout aussi intéressant, c'est juste une personnalité qui est différente, mais lui rentre vraiment très très fort dans les cordes. On a vraiment l'impression qu'il va casser la guitare. C'est-à-dire qu'il a cette approche un petit peu feu de camp, où il va faire vraiment de l'accompagnement. Donc aucun égard pour sa pauvre guitare. Alors je dis ça, moi vraiment j'adore ce style-là, et il est absolument génial parce que ça permet en fait de faire ressentir une aisance absolument phénoménale. Dadi, lui, il était hyper méticuleux. Donc, c'était vraiment juste le pouce en fait qui alternait d'une corde à une autre. Alors que Tommy Emmanuel, c'est vraiment des fois, c'est carrément le coude qui part. Et alors, ce qui est très très sympa avec son style, c'est que lui, il va des fois donc jouer un petit peu près du chevalet. Et ensuite, il va taper avec son onglet carrément sur le manche. Bon, alors je vais y aller doucement quand même parce que ma guitare, j'y tiens. De facto, donc, ça ne va pas être aussi clean, mais c'est totalement assumé. C'est-à-dire que lui, il va faire son accompagnement au pouce. J'espère que ceci va vous aider à avancer avec ce morceau Saturday Night Shuffle. Le tutoriel ne s'arrête pas là puisque pour les tipeurs et les membres de la chaîne Roue Guitare, eh bien, je vous décortique le passage avec ces arpèges un petit peu spéciaux, vraiment qui sont particuliers et qui sont finalement pas si difficiles que ça à jouer. En devenant membre de la chaîne Roue Guitare ou en devenant tipeur, eh bien, vous avez accès aux tablatures de mes tutoriels, au format PDF et au format Guitar Pro. Donc vous pouvez ralentir comme ceci la vitesse de lecture, isoler un passage et vous entraîner. Vous aimez le picking, le blues et le jazz, eh bien ça tombe bien, moi aussi. Et si vous voulez progresser à la guitare, eh bien abonnez-vous à la chaîne Roue Guitare, comme ça vous ne raterez aucun de mes petits conseils, aucune de mes vidéos. Allez, maintenant, on se retrouve dans la section membres et sur Tipeee pour la suite de ce tutoriel.